En fait, je pense que notre vision de la montagne était directe, genre en mode, bah la montagne c'est un milieu libre, nous on va faire les choses comme on a envie de le faire. Bah moi, mes potes très très proches, ça va être mes potes avec qui je pars en expé. On a la même vision, le même style de ski, tu vois. Il y a un aspect de confiance aussi, ouais. Techniquement. Ouais. On voulait pas être dans une case, on voulait faire notre truc à nous. Au tout début, il m'a dit, mais putain, mais pourquoi tu pars sans me dire et tout, machin. Et en fait, c'est de la faute de mon père si j'en suis là aujourd'hui. Il m'a toujours parlé de la montagne, de Marco Siffredi, m'a montré son DVD, je l'ai vu 40 fois. En allant fouiller dans Google Earth, on est tombé sur cette chaîne de montagne au nord de l'Inde, avec cette immense face nord d'un peu plus de 1500 mètres à plus de 50 degrés, on imagine. Et donc c'est devenu vraiment un objectif pour nous d'aller skier cette nouvelle voie dans la face nord du Nil. Là, il y a une énorme plaque qui est partie sur le Nona. Il y a un peu plus assez. Vraiment comme ça sur ces descentes. Ça a commencé à taper le bocal, quoi. À un moment donné ou un autre, ça va taper. Si on va au sommet, là, le 16, on fait quoi à la descente? Parce que là, on va prendre une claque monumentale. Ouais, mais on est pas kidnappé, mec. Vous prenez le risque, on prend pas votre risque. Allez là! Eh, hey, on a pas le choix, hein. Fallait l'attendre, c'est bien. Ça fait mal 6500, comment ils font les gens pour aller à 8000? Ouais, ça climate, ouais. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait ça. Pour avoir du plaisir de glisse, tu prends encore plus de risques. Et faire n'importe quoi, si t'as pas peur, c'est un peu la merde, je pense.